Voici un échantillon d'un champ vertical fait à partir de la manœuvre qu'il doit manager de 34 ans. Il est un passionné de la nature. Et l'horticulture qui est sa principale activité le témoigne à suffisance. Cette nouvelle pratique qu'il expérimente voici plus d'un an découle d'un constat fait à Bamenda. Les bouteilles plastiques sont partout. Nous avons visité la rivière des arbres. La rivière était polluée par beaucoup de bouteilles plastiques. Donc nous avons réfléchi à ce qu'on peut faire avec les bouteilles plastiques. C'est à son domicile à Maïfort-Bouen, à Bamenda, que le travail s'effectue. Grâce à un matériel précis, Franklin Galim transforme les bouteilles en plastique à de véritables potiches. Les objets qui sont désormais reliés en 5, voire en 6, peuvent être installés tout autour de la maison, comme c'est le cas sur ce lit. On cultive les légumes, les condiments, les biologiques. Auprès des responsables en charge de l'environnement dans la région, on soutient cette initiative bénéfique à divers niveaux. Le traitement utilisé, c'est un système de traitement électrique qui, n'est-ce pas, permet d'utiliser une très faible quantité d'eau. Ça réduit le taux d'embarras plastique dans la nature. Ça permet de promouvoir l'agriculture biologique. À côté du champ vertical, Franklin Galim transforme plastique en briques écologiques et en poudre de pépinières. Son principal challenge reste de former de nombreux jeunes à cette pratique, gage de l'auto-emploi. Non, naturellement, la communauté.